Voilà, nous allons écouter Suzette, à qui nous avons demandé, Suzette Moreau, qui est laïque consacrée, responsable des groupes des accompagnateurs spirituels, et nous a semblé bon, en cette année, puisque nous étions acte 2 de disciples missionnaires, de prendre un temps, justement, de relire dans tout ce que nous avons vécu. Merci. Bonjour à tous. Je remercie les jeunes qui nous ont vraiment introduits dans un temps de prière qui va nous aider à mieux saisir ce qu'est leur lecture spirituelle. Vous avez peut-être lu dans la revue diocésaine le titre « Relecture spirituelle, une nécessité ou un luxe ?» Et si j'interviens aujourd'hui, c'est parce que je suis convaincue que la relecture spirituelle est vraiment une nécessité. Alors, cette intervention aurait dû se faire au mois d'avril, sous forme de table ronde, mais la Covid-19 ne nous l'a pas permis. Nous avons vraiment traversé une tempête, et je crois qu'il est important d'avoir quelques outils pour relire la manière dont nous avons vécu les derniers mois, surtout la période de confinement. Et puis cette tempête, elle n'est pas terminée. Alors cette relecture, nous pouvons la faire seule, nous pouvons la faire avec d'autres, mais il est essentiel de mettre des mots sur cette période. Jeudi soir, nous nous sommes retrouvés en atelier avec le père Bernard Beausang et puis Annie Bliwert pour animer un petit atelier sur la relecture. Et chacun a pu exprimer la manière dont il avait vécu cette période. Et on peut constater que c'est vraiment important de le faire. Dans notre vie, il nous arrive de relire une lettre qui nous a marqué, de même que nous aimons regarder des photos de certains moments familiaux. Nous nous souvenons d'événements marquants, de certaines paroles, et nous pouvons avoir envie de les noter, de les partager. Ça nous est tous arrivé de dire « tu te souviens ?»« Mais si, tu te rappelles ?» C'est vraiment nécessaire de pouvoir reconstruire notre propre chemin. Nous l'avons chanté tout à l'heure, des milliards de chemins nous avons chanté, mais un seul pour chacun, chemin qui trace un avenir. Nous avons tous un chemin que nous construisons tout au long de notre vie. Alors, prendre le temps pour s'arrêter, regarder sa journée, ou sa semaine, ou le mois écoulé, peut éclairer notre vie. Cela va permettre d'éviter la course en avant, dans laquelle nous sommes bien souvent entraînés. Cela renforce notre mémoire des événements et donne un sens à notre histoire. Parce que les événements en eux-mêmes ne sont que des événements, mais l'important c'est la manière dont nous les vivons et d'être capable de relire ces moments. C'est le moyen de découvrir comment le Seigneur nous conduit,
Quelle est la cohérence de ce que nous vivons? Et quel est l'appel de Dieu sur nous? L'homme qui ne revient pas sur ce qu'il a vécu reste à la surface de lui-même, disait le père Joseph Thomas, jésuite. Relire les merveilles de Dieu dans nos vies pour reconnaître les dons qu'il nous fait. Cela consiste à s'adresser à Dieu comme à un ami à qui je raconte ma journée ou ma semaine. Tout comme l'enfant qui rentre de l'école va raconter sa journée à ses parents. Cela va me rendre présent à l'action de Dieu dans ce que j'ai vécu. Le Seigneur est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Nous pouvons lire cela dans la Genèse 28, 16. Nous pouvons penser aussi à la parole de saint Augustin que tout le monde connaît. Tu étais au-dedans et moi dehors. Et c'est là que je te cherchais. Tu étais avec moi et je n'étais pas avec toi. La relecture spirituelle, c'est se mettre devant le Seigneur qui est miséricordieux. Cela s'inscrit dans la tradition spirituelle de l'Église, en particulier dans les exercices spirituels à l'école de Saint-Ignace. Nous pouvons nous poser ces questions. Où en suis-je de ma relation à Dieu ? Où en suis-je de ma relation à l'autre? Où en suis-je de ma relation à moi-même? Quelle est ma liberté d'être? Puisque le Seigneur y est présent, mon histoire est une histoire sainte. Les événements qui ont été vécus ne sont rien par eux-mêmes. Seul compte la manière dont nous leur donnons un sens. Il est certain que Dieu était présent dans le temps du confinement. Comment en ai-je eu la certitude? Quel signe? Est-ce que j'étais dans la crainte, comme les disciples, dans la tempête apaisée? Quelle était mon espérance? Est-ce que j'ai pu prendre des temps de recueillement pour découvrir les traces de Dieu dans ma journée? Comment suis-je restée disciple missionnaire alors que j'étais confinée? Alors comment faire relecture? Tout simplement en se laissant rejoindre par le Christ au cœur de ce qui a été vécu. Parler à Dieu. S'adresser à lui comme à un ami. S'émerveiller de sa présence. Découvrir sa fidélité. Découvrir son pardon qui nous attend. Lui demander son aide. Lui confier nos désirs. Pour cela, trouver un moment favorable. Ça peut être chaque jour, ça peut être en fin de semaine, ça peut être au cours d'une retraite, ça peut être pendant un temps de repos. Ce qui est important, c'est de le faire régulièrement. Et important surtout de trouver un lieu propice au silence. Ça peut être chez soi, mais ça peut être aussi dans la nature, dans un monastère. L'important, c'est de trouver le lieu, de savoir que c'est important, que c'est nécessaire. Prendre le temps nécessaire pour être là, corps et esprit. C'est peut-être une ascèse,
ça peut paraître un peu peut-être rigide, mais c'est en même temps un repos et c'est un cadeau. Et ça permet vraiment d'arrêter un petit peu la machine et de savoir se poser avant de repartir. Parce qu'on a tendance à être peut-être parfois dans l'activité ou l'activisme. Et alors, je vais être attentif à ce que je ressens. Je demande que l'Esprit éduque et sanctifie mes sens afin qu'ils deviennent chemin vers Dieu. Il est essentiel de faire la vérité en soi afin de discerner ce qui nous habite. Ce n'est pas seulement relire, retrouver les événements, mais c'est aussi être capable de discernement pour se réorienter. Comment tel événement retentit en moi? Est-ce de l'ordre de l'ouverture ou d'une fermeture? Suis-je dans la paix ou la tristesse, la joie ou la sécheresse? Ce sont des mouvements intérieurs. Et c'est à partir de tous ces mouvements que je vais percevoir en moi que je vais pouvoir reconnaître ce qui me conduit davantage vers la vie, vers la liberté, ou au contraire qui me renferme. L'écoute de la parole de Dieu va m'apprendre à discerner tous ces mouvements intérieurs. Alors chacun trouvera sa manière de faire, mais je vous proposerai tout à l'heure une relecture en 4 étapes qui peut tout à fait vous convenir. Elle peut aussi vous paraître trop structurée, mais c'est important de se sentir bien dans la manière de faire relecture pour pouvoir persévérer dans cette démarche. Chacun saura trouver les moments, la manière de faire. Les 4 étapes que nous allons vivre tout à l'heure, ce sont « Me voici ». Je me présente devant Dieu avec ce qui m'habite. Merci. Je rends grâce pour ce qui m'a été donné. Pardon. J'identifie les zones d'ombre. S'il te plaît, je me tourne vers l'avenir. Et c'est ce que nous appelons la prière d'alliance que nous allons vivre tout à l'heure. Petit à petit, grâce à la relecture, nous deviendrons davantage attentifs aux petites choses du quotidien, à la beauté de ce qui nous entoure. Il est important de saisir les éclats de l'instant, écrit Jean Sullivan. Dieu nous invite à lui partager le plus ordinaire de notre quotidien. Ce n'est pas nécessaire d'avoir de grandes choses. Quelquefois, on se dit « Oh, c'était tellement banal ce que j'ai vécu aujourd'hui. » Quand on s'arrête, on découvre qu'il y a eu des tas de belles choses. Ou on découvre qu'on n'a pas été tout à fait comme il aurait fallu. Mais Dieu nous invite à partager cet ordinaire pour découvrir sa présence, son action qui nous transforme. C'est une expérience pascale de conversion en conversion. Alors si on veut, il peut être bon de laisser une trace écrite de cette prière. Il y a des personnes qui y écrivent tous les jours, ou de temps en temps, régulièrement. Ça permet une mise à distance. Mais c'est différent pour chacun. Cette manière de faire éveille au discernement intérieur et prépare la rencontre avec un accompagnateur spirituel. Là, j'arrive à l'accompagnement spirituel. Parce que la relecture en vue de l'accompagnement spirituel est une forme de dépouillement pour entendre en creux l'appel de Dieu. Quitte ta terre vers un chemin qui ne t'appartient pas, nous a dit Pierre Alban de Lannoy à propos du récit. Faire relecture, être accompagné,
sont des piliers pour grandir dans la vie spirituelle. L'accompagnement spirituel, c'est une aide qu'un baptisé peut demander et recevoir de l'Église en vue de connaître et d'accomplir la volonté de Dieu. Pour grandir dans la foi et dans l'amour, il n'est pas bon de rester seul. Avec un guide sûr, il faut pouvoir vérifier qu'on se laisse conduire par Dieu. L'accompagnateur est un témoin du travail de l'Esprit et il aide à le reconnaître. Cet accompagnonnage avec un frère ou une sœur, ayant une expérience du discernement et une profonde vie spirituelle. Une personne demande à une autre de l'écouter pour être témoin de son cheminement. C'est une démarche vécue dans la foi et la confiance. On peut penser que Marie, de qui on dit qu'elle méditait dans son cœur, faisait ainsi relecture de tous les événements liés à la vie de son fils. Donc je vais vous proposer de vivre maintenant une prière d'alliance, mais avant je voulais vous rappeler qu'il existe dans le diocèse une liste d'accompagnateurs spirituels. Parce que c'est bien beau de vous dire que ce serait bon d'être accompagné, mais savoir comment on peut faire. Donc, il y a quelques années, a été dressée une liste, et si vous souhaitez être accompagné, vous pouvez le demander au Père Jérôme Berthier, ou à Cécile, le CRI, ou à moi-même, et nous vous proposerons quelques noms pour que vous puissiez rencontrer la personne. Il est important que vous preniez le temps, que vous vous sentiez à l'aise avec cette personne. Donc, c'est tout à fait permis dans voir une et puis peut-être aller en voir une autre. Mais c'est vraiment un cadeau que nous fait l'Église de pouvoir être accompagnée. Moi, j'ai eu cette chance dans ma vie parce que j'étais catéchumène et quand je suis sortie, enfin quand j'ai été baptisée, on m'a tout de suite proposé un accompagnateur spirituel. Et j'ai continué. Et je pense que c'est vraiment une aide parce que quand on fait relecture tout seul, c'est déjà beaucoup. Beaucoup, c'est dans la prière, donc ça permet de discerner, d'y voir clair et d'évoluer. Mais quand on fait relecture et qu'ensuite on partage avec une autre personne, une personne qui est mandatée, missionnée par l'Église, eh bien, ça permet de relire autrement, de prendre de la distance et de pouvoir discerner. On fait soi-même son chemin, c'est pas l'accompagnateur qui va nous dire qu'il faudrait faire comme ci ou comme ça, ou l'accompagner qui va dire qu'est-ce que tu penses, non? Mais ça éclaire, il va pointer certaines choses et c'est vraiment un chemin de foi. Donc, je vais demander l'aide des musiciens, je crois qu'ils vont nous proposer un chant pour nous y introduire. J'avais lu... qu'est-ce que c'était comme chant? Je viens vers toi, Jésus. Et ensuite, quand il y aura des moments de silence, je vous ferai un petit signe pour qu'il y ait un fond musical. D'accord ? Jésus,
Nous prenons le temps d'être là, bien présent, en déposant ce qui peut être fatigue, préoccupation, peut-être par quelques soupirs, en trouvant la position juste, et nous nous tournons vers le Père avec un signe de croix, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Me voici devant toi, Père, pour me laisser rejoindre par le Christ au cœur de ce que j'ai vécu ces derniers jours. Je veux m'adresser à toi comme m'éveiller à ta présence. Découvrir ta fidélité et ton pardon. Je veux te demander ton aide, te confier mes désirs. Me voici avec tout ce qui m'habite, joie, déception, découverte. J'offre tout cela dans une attitude intérieure de disponibilité à ta présence. Je laisse mes pensées s'envoler, le silence s'installer, et j'écoute. Je fais en sorte d'être là, ici et maintenant, simplement pour accueillir ce qui va se passer. Je sais que tu m'attends. Éclaire de ta lumière, de ton esprit, l'histoire de mes journées, afin d'avoir un regard semblable au tien.
Merci. C'est le point essentiel de la prière. Je rends grâce pour tout ce qui m'a été donné. Je repère l'action de Dieu en moi, ce qui me rend plus vivant, plus libre. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui t'ai libéré de l'esclavage. Exode. Je me laisse habiter par les souvenirs de ces moments qui me reviennent. Je laisse défiler les lumières, sourires, rencontres, moments de beauté. Et moi-même, y a-t-il eu une avancée? Une ouverture, une décision. Et je remercie le Seigneur pour les dons, les joies, les personnes, pour les signes reçus de son action et de son amour. Pardon. Je découvre peut-être quelques aspects plus obscurs, des infidélités, des refus d'aimer, des replis sur moi-même. J'ai peut-être blessé des personnes. Il ne s'agit pas de m'attrister, mais d'avancer. Si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi, lisons-nous dans Jean 13. Je confie cela au Seigneur en lui demandant sa miséricorde et son pardon. Thank you.
te plaît. Je regarde avec le Seigneur mes projets, mes attentes, mes craintes pour les jours qui viennent. Et je vais choisir un point d'attention en demandant sa force au Seigneur. Je vous propose de terminer tranquillement ce temps de prière en disant ensemble, en nous adressant au Père, ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, c'était un petit exemple. Vous pourrez continuer, bien sûr. Par contre, j'ai oublié de vous dire qu'il y avait aussi un groupe de formation dans le diocèse pour les accompagnateurs spirituels, qui se retrouve deux fois dans l'année. Il va se retrouver le 7 novembre prochain, et puis ensuite, ça doit être le 7 ou 8 mars, je ne sais plus. C'est vraiment un groupe d'entraide, où chacun peut venir avec ses questions. C'est un lieu de formation, mais aussi un lieu de supervision. Et parce que c'est pas facile non plus d'être accompagnateur, on a tous nos limites. Et c'est vraiment une aide qui est proposée par le diocèse. Je vous encourage à participer à ce groupe. Nous avons envoyé d'ailleurs à tous les prêtres accompagnateurs consacrés religieux du diocèse une information à ce sujet. Merci. Voilà.